Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On commence ce samedi matin en douceur avec un bon déjeuner chez Au Vivre. On est en train de faire nos choix. Je pense qu'on va y aller avec les huevos rancheros. C'est une journée très humide dehors, très grise, mais on a le cœur plein de soleil. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui comme journée. Alors, commençons par le déjeuner. Qu'est-ce que tu as pris, là? J'ai pris une boule d'énergie, un café, et nous avons pris des huevos rancheros. Oh, bon appétit! Déjeuner délicieux chez Au Vivre, comme à chaque fois d'ailleurs. Moi je recommande Au Vivre, c'est très bon, c'est vraiment biologique, végétalien, et en plus c'est pas très populaire le matin, donc il y a presque personne, on n'a pas besoin d'attendre, parce que dans les restaurants généralement c'est vraiment stressant, les restaurants à déjeuner, il y a trop de monde, c'est pacté. Là on est plein, on n'a pas trop mangé, mais on est juste parfait. Martha avait le goût d'en prendre plus, mais on s'est modéré. Tantôt, on va aller manger chez Gusta pour dîner, mais là, on s'en va à l'entrepôt. Ça fait au moins 2 ans qu'on procrastine à faire le ménage de l'entrepôt. Mais là, puisqu'on va déménager bientôt, ben c'est le bon moment pour aller voir qu'est-ce qu'on a. Alors aujourd'hui, on a décidé d'y aller et on va faire le ménage. On est arrivé à l'entrepôt. Martha a fait un « Oh my God » en voyant le foutoir que notre entrepôt est présentement. Notre objectif est de faire un bon nettoyage aujourd'hui. On se met au travail et je vais vous montrer après qu'est-ce que ça donne. Et voilà le après. Voilà, c'est terminé. On a fait le ménage ici. Maintenant, on sait beaucoup mieux qu'est-ce qu'on veut emmener, qu'est-ce qu'on veut jeter. On jette presque rien pour l'instant. On va revenir là pour... De toute façon, on a un mini déménagement à faire de choses qui sont ici à notre appartement présent. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Mais au moins, c'est plus clair dans notre tête. Alors là, on va aller faire un tour au marché Jean Talon, manger un petit quelque chose et acheter les légumes pour la semaine. On a fait un petit arrêt chez Rachel Berry, c'est un magasin avec beaucoup de choses biologiques. On s'en va manger chez Gusta. Yes. Burrito de Junior.
Alors ça, c'est notre burrito déjeuner habituel, qu'on prend un petit peu plus tard aujourd'hui. Un pour deux. Délicieux dîner chez Gusta. On s'était fixé pour sauver de l'argent, d'avoir un maximum de 20$ de dépenses par samedi pour les restaurants. Fait qu'aujourd'hui, vous voyez, les deux repas qu'on a pris, c'est 40$, donc divisé par deux, 20$ chaque. Et on va rien racheter plus aujourd'hui. C'est pratique parce qu'on a un petit appétit, nous autres. Et on prend un plat qu'on divise à deux. Donc, c'est très... C'est vraiment bon pour les finances et finalement, on n'est pas trop plein. Sinon, les fois qu'on pense avec notre estomac, on sort de là qu'on est trop plein parce que c'est des grosses assiettes. Alors, il nous reste à acheter nos petits légumes et un peu, on va retourner à la maison. Slurred and thoughts are late. Let's raise a toast to a night that we won't eat.